YouTube et bienvenue pour cette nouvelle vidéo slash comme vous pouvez le voir nous sommes en live sur Twitch. Merci beaucoup Chiara pour ton follow et bienvenue à toi. Et nous allons jouer maintenant en deuxième journée du challenge 7 bombins, la réédition. La maison de l'enfer est droit devant vous, la maison du malheur, la maison des démons. Simplement sept petits êtres complètement dénués d'âme, remplis de mauvaiseté, de méchanceté, ont peuplé cette maison et cette pauvre Francine qui est leur maman doit s'occuper seule de tous. Fois dernière, ce fut déjà épique pour une première journée. Allons bon, c'est parti pour la deuxième. Famille Dugroin, Francine. Et c'est cette mioche. C'est parti. Alors, t'as déjà Mylène qui se réveille. Tu vas pas t'occuper. Non. Non. Ah non. Non, non. Non, non, vous allez pas vous réveiller maman. Il est hors de question. Il est hors de question, Tion. Il est hors de question. Et arrête de bugger tes cons. Ah, ça va être la journée des bains. Autant là, on a fait les pots. Là, ça va être la journée des bains. Sauf que les enfants ne peuvent pas se laver tout seuls. Donc ça, c'est ça qui va être comique. Oh, mais qu'ils sont moignons tout plein, les petits chachaminettes. Quand vous allez babiller tous les deux, voilà. Et puis quand vous serez calmés, eh ben... Elle est contente, elle a des câlins. Ouais, j'ai des câlins, maman, mon frère. Parce que je l'aime bien, mon frère. Pour l'instant, les autres dorment bien, hein. J'ai même l'impression qu'il y en a un qui ronfle dans l'eau, je sais pas lequel. J'entends dans un coin de mon oreille. Bon, allez, va faire une sieste et toi aussi, parce que voilà. Est-ce que Francine dort bien? Francine dort bien. Elle a pas non plus un soleil... Un sommeil excellent. Mais elle dort. Le but est qu'il faut que je les surveille pour pas qu'ils aillent réveiller leur mère. Parce que la pauvre, elle a besoin de repos. Qui c'est qui se réveille? Ah, c'est Axel. Axel, dors. Maman est pas encore levée, elle a pas fait le petit-déj. Viens te réveiller, cuisiner. Des petits sandwichs au fromage fondu. Allez, ça va bien les caler, ça. On a Pâté qui s'est levé. Pâté est vénère. Ah, il restait encore un bout de cake. Mais c'est merveilleux, ça. Tu peux appeler à table tout le monde, comme ça, ils y viendront tous quand ils seront levés. Voilà, parle avec ton fils. Ah, bon, bah, ils ont pas l'air de s'entendre bien, en fait. Mon Pâté, au niveau hygiène, il est bien. En même temps, comme il est indépendant, il sait faire caca au bon moment. Ça, après, t'iras faire la vaisselle, hein, cocotte. Qui c'est qui chiale? Mais arrête de chialer! Le petit-déj est servi. Arrête de chialer pour rien. Toi aussi, hein, ça y est. Oh là, ils commencent tous à se lever. Tous ensemble, tous ensemble. Ça va être la journée du délire, du délire. Qui c'est qui pue le plus? Qui finira de manger en proms? Je pense que c'était Million. Ouais. Et lui aussi, faut qu'il aille manger. Enfin, il doit manger, il doit pisser aussi. Ça promet. Est-ce que tu peux nettoyer le... Pendant qu'il... C'est bon. Ah, non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On va donner un bain de mousse à Emilion. Emilion est le premier à passer au Karcher. Après ça, ça... Non, ça va. Pour... J'ai dit Emilion, en fait. Mais tu vas faire ce que je te demande, Jeannette, ou quoi, là? En plus, avec tes bras buggés du cul, là. Excusez-moi, je suis vulgaire. Deuxième fois. Tu prends le machin, tu le fous dans la flotte, tu le secoues, tu le sors. C'est compliqué, là, il te faut 3 ans pour faire ça. Et elle le fait pas, troisième fois, allez. Alléluia! Une interaction avec lui. Mais non, mais parce que pendant ce temps-là, t'as tous les autres qui s'énervent et qui vont avoir besoin d'attention et tout le tralala. Et elle, elle leur a fait « Oh, non, mais moi, ça va bien, je veux pas m'emmerder, hein. » Attention, hein. Moi, je suis colère, hein. Et puis tous, ils ont l'hygiène en berne. Pâté, viens sur le pot. Tout le monde va venir mater. Voilà. Tout le monde va venir mater. Je m'en fiche. Vous êtes triste, moi aussi. Ça arrive à tout le monde. Et toi aussi. D'ailleurs, en sortant du bain, tu vas aller mater, Pâté. Pâté, il est super. Et lui, il est coincé dans la baignoire. Magnifique. Maman, tu peux enseigner à Emilion. Apprendre à aller sur le pot à Emilion. Parce que là, il faut qu'il apprenne. Et t'en as aucun qui est venu mater le frère, bien sûr. Bah, bien sûr. Bah, voyons.
T'en as pas un qui se bouge le fion pour eux? Mais purée, mais de pommes de terre, mais c'est pas possible! Dakota, bouge ton fion! Tous regardez, Emilion, toi tu peux arrêter, tu peux épicer et te laver aussi, tiens, profite. Ah, le bug de la salle de bain où ils restent coincés, les adultes. Emilion a fait caca! Emilion est en très bonne forme! Emilion peut donc faire sa vie ailleurs, dégage de là, de ma vue. Pâté. Pâté, il est un peu fin et il commence à aller légèrement suer du fion. Qui c'est qui est dans le jus? Elle. Non mais elle... Elle fait pas ce que je lui demande déjà, donc... Oui. Alors, si, attends. Là. Babillé, qu'est-ce que c'est? Babillé. Vas-y, va sur le nounours. Pendant que maman... après, elle va s'occuper de toi. Non, tu vas pas prendre un bain, t'es pas assez sale pour ça. Crois-moi, il y a pire. Non seulement elle doit pisser, mais elle doit tout faire, divertissement et tout. Ok, maman, t'es prête? Tu vas faire Michel. Michel, elle a perdu son chat. Michel Labière a besoin d'attention, besoin de caca. Besoin de tout. Mais en plus, si tu mets pas du tien, Michel, comment veux-tu? Jessie, tu dois pas aller pisser? Hein, t'es sûre? Va pisser quand même. Va pisser pour montrer l'exemple à tes frères et sœurs. Je t'en conjure, je pense qu'ils en ont besoin. Eh, il s'éclate avec la piscine à boules, hein, c'est l'éclate totale. Ok, elle a la tension et la vessie qui remonte. C'est génial. Après, tu pourras donner un bain de mousse à Michel. Voilà. On va enchaîner, on va tout faire. Viens, tu vas mater ta sœur. Tu vas mater ta sœur. Toi, tu viens ici aussi, tu vas mater ta sœur. Vous venez tous mater. Parce que vous êtes des pervers. Au fond de vous, vous savez que vous êtes des petits pervers. Et vous adorez regarder les autres qui font caca. Non, tu pleures pas, ça suffit. Oh, ils sont dans un état certain déjà. C'est horrible. Je t'ai dit finalement, j'aime bien regarder les filles qui font caca. Je continue à regarder. Et Dakota, elle se bouge pas le fion. Dakota, tu viens, purée, mais c'est pas possible celle-là aussi. Maman, donnez un bain de mousse. Je crois qu'il y a trop de chair dans ses pattes. C'est bon. Est-ce qu'ils ont appris? Toujours pas. Et viens mater. Oh, de criser là, Mylène! Viens ici! Oh, il est sur le point d'apprendre! Oh, regardez! Mais lui. Il se fait dessus. Pourquoi tant de haine? Maman a fini avec le bain! Ok, tu vas enchaîner. Attends, parce qu'il y en a plein encore. Qui c'est qui pue là-dedans? Oh, Caddy. Oh, Caddy, il est dans un état! Mais vous avez pas idée. Mylène, il est pas terrible. Mylène, t'es où? Bah, il était juste là. Eh ben, nickel. Mylène, il doit faire pipi. Alors, bah, pareil, tu vas me faire la doublette. Hein. Tu vas me faire la doublette pour Mylène. Mylène, doublette. Et comme ça, moi, c'est fait. Non, tu donnes pas le bain à Jessie. Elle a pas besoin. Mais... Oh. Allez, la doublette. Enfin, il y a de la pisse partout et tout. Dakota, viens regarder ton frère. Emilion, c'est reparti. Mais c'est ta piscine à boules, ils sont obsédés. Okadi, mais il bouffe. Mais tu bouffes ou tu bouffes pas? Ça y est, il mange enfin. Il a l'air d'être un peu lent, Okadi. Dakota! Mais c'est pas vrai, monsieur. Oh là là, je suis coincée, la vie est dure. Oh, c'est beaucoup trop dur la vie. Bah, et non, mais par contre, les trucs de salle de bain, j'en peux plus. Que c'est coincé tous les 4 matins. Ouais, bah, ils peuvent plus aller dans la salle de bain pour un, je ne sais quel miracle. Ils peuvent plus. C'est impossible. Ah, purée de pommes de terre de petits pois. Va dormir. Bravo, Mylène. Ça y est, il peut y aller tout seul. Oui. Oui. Mylène peut enfin faire caca tout seul. Ça fait que j'en ai 3 qui peuvent y aller tout seul. Sur tout le lot. Maman, tu sais ce qu'elle va faire après? Elle va refaire à bouffer. Parce que... alors, un onigiri, c'est facile, c'est rapide à faire. Là, on va faire à manger. Et au caddie,
Il va falloir que tu reviennes, mon chaton. Je vais le laisser s'amuser parce que... Non, amuse-toi! Honnêtement, remonte-toi le divertissement. On s'occupe de ton hygiène et de ton attention juste après. Voilà! Qu'est-ce que voit Okadi? Bah, pas grand-chose, a priori, quand il est dans la piscine à boules. Ok. Ok, magnifique. On dirait... Bazinga! 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 Et Bazinga! Bah, tu peux venir là, mon chaton, parce qu'on va s'occuper de toi. Voilà, c'est le dîner est servi. Maman, elle va manger aussi, elle va s'accorder ça. Hein. Ouais, ils vont tous bouffer, puis après, ce sera au lit. Oh, punaise, les journées passent à une vitesse. Vous n'avez pas idée, hein. Okadi est là. Okadi, c'est juste un bain. Hop. Okada. Voilà. Et c'est pas possible, laisse cette pauvre gamine! Laisse-la! Elle a pas besoin de toi! T'as lui là, ouais, tu l'aimes pas en fait, c'est ça? Juste, tu l'aimes pas ce pauvre gamin! C'est fils de Daichi, donc forcément tu l'aimes pas, c'est ça? Sale meuf! Emilion qui tape une crise. Emilion, tu veux pas aller pisser? Voilà. Qui c'est qui? Ah! Mais lui, il est flingax! Mais qu'est-ce que tu fais? Mais non, va pas t'évanouir, il y a un lit ici, Jano. Oh là là. Qu'il est mignon. Il s'est endormi, tant pis. Dakota. Mais elle aussi, elle est buggée. Je lui demande des trucs, elle le fait pas. Oh, Pâté, il va faire caca! Tout le monde va mater Pâté. Parce qu'il est beau quand il fait caca tout frais. Tout le monde va mater pâté, c'est ceux qui sont réveillés qui vont mater. Après, si tu veux, tu peux regarder la télé 5 minutes. Avant d'aller te coucher. C'est bien? C'est intéressant ce qu'il fait, grand frère, petit frère, enfin frère, quoi. Amical, regardez. Il faut absolument qu'il gagne. Je pense que... Non? Il n'y en a pas un qui a eu... Non. Toujours pas. Mais regardez son... Okadi! Emilion, s'il te plaît, mets-y du tien. On mate le frère, là, allez, ça fait apprendre. On aime ça, mater les grands frères. Ils vont le valider ou pas, ce pot, là? C'est pas possible. Mais il a même pas fait. Il a même pas fini. Ah! Oh, la dégueulasse, elle s'est fait dessus. Okadi. Bah, Okadi va les bouffer. Emilion, regarde ton frère. Je comprends pas pourquoi ils veulent pas prendre de niveau, là. Mais c'est pas possible. Normalement, il doit y être, là. C'est un poil de cul. Oui, ça y est. Non, c'est... C'est Pâté. C'est pas le bon. Mais moi, je voulais pas que ce soit Pâté. Je voulais que ce soit Emilion et Dakota qui apprennent le pot. Pourquoi tant de haine? Mais Emilion, il est grave à la bourre, en fait. Oh! C'est moi où je rêve où il y en a un qui vient. Il y a quelqu'un qui vient de taper à la porte, quoi. Ah, ça s'est pris. Dakota, il reste un lit, c'est celui-là. Hop, tu vas dormir là-bas. C'est Lilith, hein, qui vient se renseigner si au cas où on aura envie de donner notre plasma. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais je t'ai dit d'aller te coucher. Ah non, vous savez ce que c'est? Elle va coucher Okadi en disant « Bah t'as vu, je l'aime mon fils quand même. Tu m'as dit tout à l'heure que je l'aimais pas. Mais je l'aime quand même. Va te coucher. » Là, je pense que ça y est, tu l'as mérité. Il est minuit 13. C'est beaucoup plus tôt que les autres jours. Je vais mettre la bouffe au frais. Et ce sera très bien pour nous. On va se terminer. Le calme est revenu dans cette maison de l'enfer. Je mets sur pause. J'enregistre. Et c'est là-dessus que je vais donc vous laisser pour ce challenge et cette bombe. On se retrouve sur une prochaine fois, sur un prochain épisode, évidemment. Je vous salue bien bas. Twitch également vous salue pour YouTube. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des challenges et cette bombe.
en espérant que je garde mes cheveux et mon calme. Allez, salut.